c'est des niveaux et tout. C'est quoi ça, tais-toi, t'as pas assez de cheveux pour me parler. Coucou, bonsoir. Pourquoi tu fais pas la chirurgie? Mais chérie, tu parles du physique, t'as vu ta tête ou quoi? Là, tu m'attaques sur le physique depuis 10 minutes, tu ressembles à une carton balle, frère. J'ai envie de déposer des fleurs sur ta gueule, quoi. La beauté, elle est en deuil, là. Qu'est-ce que tu en parles avec moi de la beauté, là? Bitch. Arrête ces manières, c'est insupportable. Chérie, tu te prends en photo dans ta salle de bain en cadrant ton lavabo. Qu'est-ce qui est plus insupportable? Move your ass, thank you. Tu regardes quoi sur Netflix? Oh, y a un nouveau manga qui est sorti sur Netflix, c'est Apocalypse, je sais pas quoi, là. Attends. Mais non, connard, ça, il est sorti aujourd'hui, ça fait longtemps. Mais tu es complètement folle! Je suis passionnée. Merci. Tu sais que t'es le seul en France à dépasser les 30 spectateurs. Elle va commencer à nous mettre du joule, elle. Rapproche-toi, espèce de folle. Le collège, c'était de la merde, genre le collège, c'est nul. Les gens, c'est des bâtards et tout. Là, ils font trop les petits, là, ils portaient des. Les mecs qui me clashaient, c'était des gens là qui, je sais pas quoi là, qui portaient des bottes en caoutchouc là. Oh là là, je vous jure, moi je les mettais à terre en quatrième, là, ils étaient tous en train de chialer. Hein. Ah non, je te jure, j'étais un malade. En plus, ça faisait trop les mecs, genre ils voulaient se battre et tout, c'était des grosses fiottes, j'en avais rien à foutre, je leur allais vous faire enculer. Chine. S'il vous plaît, quoi, je viens de croiser un père et son enfant de 6-7 ans. Et genre, il tire le bras de son père et tout. Il fait, oh, regarde, elle est trop jolie, la madame avec ses cheveux et tout. Et genre, le père, il m'a grave regardé en mode, s'il te plaît, ne parle pas, ne détruis pas l'enfance de mon enfant en lui révélant que tu es un homme. I was like, bitch, please. Du coup, je me suis contenté de faire un clin d'œil au père et à tracer ma route. Moi aussi, je suis en terminale, je regarde la seconde de travers. Je suis une pédale. Ah, de ouf, moi, je les regardais grave mal. Moi, j'étais en mode genre. Genre en terminale, tu te sens grave frais tout en mode ouais, je suis le grand et tout. C'est pas naturel d'être gay, dame nature, prépa. Mais arrête de parler de dame nature, frère, elle te follow même pas sur Insta, tu parles de dame nature, les oreilles chiens là en photo de profil. C'est dame nature qui les a créées? Non, c'est pas dame nature. Donc pourquoi tu les utilises? C'est pas dame nature, pourquoi tu les utilises? Je sais pas moi. Les vêtements, c'est dame nature qui les a créés? Bah non, donc pourquoi tu portes des vêtements? Tu vois, déjà à partir du moment où t'as un raisonnement qui est pas cohérent, bah tu bois du pétrole quoi. Ça s'appelle du coton. Non, c'est pas, ça pousse pas dans. Tu t'as pas des t-shirts Nike qui poussent dans les champs en fait. Tu sens quoi que vu ton visage, c'est plutôt que je suis avec Nike. Bisous bébé, bisous ma soeur. Si on continue comme ça, on va. Mais déjà quand on sait même pas écrire, on arrête de donner des leçons de morale aux gens quoi. Quand on écrit SA partout, on arrête de donner des leçons de morale aux gens. Je veux dire, à un moment, faut être un peu respectable, quoi. Tu fais le mec en ouais, j'ai de l'éducation, j'ai de la culture. T'as aucune culture, frère, t'es zéro. Et tu viens donner des leçons de morale en mode ouais, fais ce que je te dis. Mais déjà, quand tu sais pas t'exprimer, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bégayes. Donc reste dans ton bégayement, va voir une orthophoniste et viens pas me saouler, quoi. Thank you. Inking. Je vais t'insulter, mais tu m'insultes, j'en ai rien à foutre, frère. T'es un caillou, je suis une montagne. Qu'est-ce que tu viens parler avec moi? On va faire de la luge. Je suis un caillou, t'es un caillou, mais de ouf, genre. Dévale la pente. T'as encore des boutons. Eh, arrête de faire la gueule, la meuf, elle a 12 ans, là, elle vient commencer à me clasher sur mon physique. Ma chérie, t'as pas encore d'hormones, c'est normal que t'aies pas de boutons. Hein. Et évite de sourire, on voit tes dents. Et quand on en a une sur deux, c'est pas conseillé. Sorry, bitch, what's up? Les gens qui attaquent sur le physique, souvent, avec sa tête de gitan, frère, tu te retournes, vu tes oreilles, il y a la tempête Xynthia qui fait son comeback, là. Alors qu'est-ce que tu vas me faire chier, là? Avec ton visage tout plat, là, t'es une feuille blanche, je suis une imprimante, trace. Xynthia, elle, a encore des forces. Elle traverse le pays, cap au nord-est. C'est quand qu'on se fait un date? Bah, quand tu m'invites. Il est fou, lui. Ça sort d'où, le inky? C'est-à-dire, ok. Bah, c'est en fait, j'étais bourré, genre, je sais pas, j'arrêtais pas de dire ça, du coup, t'as mes respects. Tu mets des caleçons ou boxers? C'est quoi la différence? Ah oui, d'accord. Non, je mets pas de caleçons, non, je mets des boxers, genre. Bah, les trucs que tous les mecs mettent, genre. T'imagines, tu vas avec un mec trop beau, le mec il a un caleçon hyper large et tout. Moi je me casse, hein. Je prends mon petit long champ, ma petite veste en jean, je fais bisous, bonne soirée. C'est mort, un minimum de respect. T'as deux grosses crottes de nez, chérie. Ton anogastrique, ils auraient dû te le foutre sur la langue, ça t'éviterait de dire de la merde. Il fait, ah non mais les gros beaufs comme ça, frère. Si tes parents ils t'aiment pas, c'est pas de ma faute, mais sache que je t'aime pas non plus. Donc arrête de parler, genre personne, tout le monde s'en fout de ce que tu dis, t'as pas l'air d'avoir beaucoup d'amis.
Va sur le club Pingouin, c'est de ton âge. Tu te feras des potes, tu joues, tu feras du surf, tu partiras en voyage gratuitement et arrête de saouler quoi. Ça veut rien dire, ferme ta gueule en silence. Genre, si tu fermes ta gueule, tu peux pas, t'es forcément en silence. Toi, ça se sent, t'as encore un BlackBerry 8520, toi. Miskine, bon ta gueule, tu t'appelles David, tu dis Miskine depuis une demi-heure, là, ça commence à me saouler, c'est pas parce que t'habites à Toulouse, là, qu'il faut faire le mec, je sais pas quoi, là. C'est bon, stop, tu redescends, tu restes dans ton appart avec tes 15 frères et sœurs, tu leur donnes à bouffer, tu leur donnes des pompotes, puis t'arrêtes de nous faire chier, quoi. Qu'est-ce que tu viens de faire chier, là? Tu t'inventes une vie depuis une demi-heure, tu commences à nous saouler, personne peut te blairer, tu dis Miskina comme c'est combien la pipe, donc arrête 2 minutes, frère. Le mec, il est normand, il vient faire le rebeu, là. Je suis marocain, non, non, t'es né à Dunkerque, tes parents ils font de la moutarde et tu viens faire le gars ici. Tu me diras, dans la vraie vie, tu baisses la tête. Je vais me ressourcer là. Trop de négativité. Moi j'ai une nouvelle philosophie de vie, je vais vous l'apprendre après. Imaginez-vous que vous avez un aimant interne à l'intérieur de votre âme. Et en fait, il faut toujours que vous ayez le positif, la positive attitude. Tu te crois dans un jeu, GEUX, un jeu, mais t'es né dans un caillou, toi, c'est pas possible. Anyway, cet aimant soit tourné du côté positif. C'est-à-dire que si vous êtes dans un mood, t'es un bolos, tu t'appelles Esteban et tu me traites de bolos. Ton prénom dirait une marque de Madeleine et tu viens me traiter de bolos. Frère, va manger de la confiture devant l'amour et dans le pré, toi. Tellement que ça me touche. Si vous avez un. Ton aimant, il doit avoir le sida. J'ai pas compris. Donc, mais je suis en train de faire un beau message. Il y a toujours des petites merdes là, qui viennent ramener leur sauce. Genre, allez au kebab, allez manger du kebab, allez manger des frites, arrêtez de me saouler. Non, non, on dirait que vous êtes payé pour être là. Quoique, non, c'est nous qui vous payons en payant des impôts. Alors, super. Genre, faut toujours être positif. L'aimant, tu le mets dans le cul. Ouais, et puis l'aimant en question, tu l'appelles papa, connard. Toujours être dans un. Tu parles trop, c'est parce que t'es trop débile, t'as du mal à comprendre. Mes frères, t'as 8 ans, qu'est-ce que tu parles de schéma, je sais pas quoi, t'as même pas de pénis, t'as même pas de vie sexuelle, t'as jamais eu de meuf. Je suis sûr, j'ai eu plus de meufs que toi, en étant gay, hein, et ayant mon physique. C'est pour te dire. Le mec, il fait des lives. Aujourd'hui, je vais insulter des mères, mais lui, je vais faire compter son compte. C'est mort, il a pas le droit de rester sur Periscope. Periscope, c'est à moi. Dis Siri. Vous êtes grave, vous avez cru mon téléphone. Elle m'appelle, ok Google. C'est pas Google Home, hein? Malade. Donc, je prends mon téléphone, tout essoufflé, tout, j'avais peur et tout machin et tout. Donc, j'appelle le 17 pour la police. J'étais là. Et au début, je savais même pas, j'ai cru que j'allais tomber sur les pompiers, je savais même pas, j'ai fait un numéro au pif. Et donc, j'entends Police nationale, bonsoir. Et là, tu sais, avec le stress et tout, l'émotion et tout, je savais pas quoi dire. J'étais là, un kebab sauce samouraï? Non, du coup, je leur fais, oui, bah bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Du coup, je leur fais, oui, bah il y a quelqu'un qui est chez nous et tout, qui est dans notre jardin. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Ça devient dangereux, on a peur. Et du coup, ils font, oui, mais où est-ce que vous habitez? Je fais, dépêchez-vous, s'il vous plaît, machin et tout. Et enfin, oui, mais il faut qu'on sache votre adresse, monsieur. Monsieur? Pardon? Posez pas de questions, faut pas. Ton nez déformé, c'est la sortie à ton cerveau qui est sous-développé. Tu me diras, c'est comme ta teub. C'est génial. Ton style. Ton nez. Attends, ça se prend en photo dans un miroir dégueulasse et ça vient critiquer mon nez, ma sœur. Et tu mets un vieil emoji couronne sur ta photo avec une vieille casquette New York que t'as eu à la foire du trône. Ah non, moi je calcule pas, hein. Je suis pas Égérie Jules. Hein. On redescend, merci, on n'est pas assez Léo ici. Hein. Tu sais quoi comme étude? Le mec il m'a insulté et tout, là il vient gratter l'amitié en mode ouais, viens, je te paye un McDo là, on se calme. Je suis pas vegan. Tu m'épouses? Ah bah moi je t'épouserais bien, mais genre tu portes un débardeur et ça me dégoûte. Comment tu fais pour pas t'attarder sur les critiques? Je me réveille déjà à 5h45 pour faire mes sourcils. Tu crois vraiment que j'ai le temps de m'occuper des gens qui m'insultent? Non, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail personnel, physique. Pour m'occuper des gens. Je suis pas assistante sociale, je suis pas là pour voilà, je suis pas un souffre-douleur, je suis pas un, je sais pas moi, un truc là, une boule anti-stress. Si les gens ils veulent déverser leur haine sur moi, bah faites-le, moi je préfère l'or.
Ton bail dans le nez, déjà ça veut rien dire ton bail, tu ne sais même pas écrire bail, déjà que c'est pas un mot, mais si en plus tu écris des expressions qui n'existent pas. Alors avale un stylo bic, ça fera une trousse. Parce que tu crois que tu vas hériter, vieille pays d'Alouette, ton père, regarde, c'est lui qui m'a acheté la bague. Bon, il l'a acheté au manège à bijoux, mais bon, il est riche, alors je suis avec. Tu te maquilles de ouf? Ah non, je maquille pas les yeux et tout le matin, j'ai pas le temps. En plus, avec le temps et comme je me gratte toujours la gueule, je ressemble à un panda au bout d'une heure et demie de cours. Donc faut pas déconner non plus. Hein. Je comprends rien du tout, genre je me suis couché à 19h et j'ai mis mon réveil à 19h15 pour faire une sieste de 15 minutes. Je crois que j'ai un peu débordé. Alors les copines, oula, j'ai pas trop snappé aujourd'hui parce qu'en fait j'ai passé ma journée à regarder Amérique. Yo. Oui? Je sais que vous étiez très noblesse. Tu me fais peur, pourquoi tu es habillée en Cléopâtre? Tant que je vais pas me coucher, moi j'enlève pas le maquillage. Pas que ma voix respire. Je suis au bout de ma vie, il faut que je travaille. Ça fait grave bizarre de me retrouver assis chez moi en train de travailler. Franchement, je vous le conseille pas mal. Mauvaise expérience. Je mets un 4 sur 10 pour l'ambiance. Il faut aussi que j'écrive quelques petits trucs pour la vidéo que j'adore. On dirait que je me prends pour J.K. Rowling. Moi, je vais vous sortir le dernier Harry Potter là. Anyway, je suis en train d'essayer d'écrire des petites idées et tout. Pour la vidéo que je vais essayer de tourner jeudi, j'adore dire ça, on dirait grave, je suis une youtubeuse en mode j'ai un emploi du temps de malade et tout, je vous jure, j'adore, je vous jure que j'adore. Genre, qu'on se le dit, je me prends grave pas pour de la merde, j'ai grave envie de faire des trucs bien et tout. Du coup, j'adore parce que je fais grave genre d'être sur l'ordinateur et tout, mais je suis juste en train d'actualiser ma boîte mail en espérant un petit mail de Sephora qui m'envoie des produits gratos. Et je me suis trouvé un petit casque pour tout simplement écouter ma musique dans le bus. Voilà, pour avoir l'air un peu moins schizophrène à ne rien faire dans le bus. Voilà, tout simplement. Okay. Pépé, tu bâches pas. Je le frôle, je meurs. Arrête de flipper! Hé, t'auras l'exploratrice!